Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, ça va pas être un test, ça va être une annonce et aussi de quoi vous souhaiter des bonnes fêtes. Donc, on va faire ça sur Brother in Arms 3. Et tout d'abord, je souhaitais vous montrer le chat du jeu absolument magnifique avec des gens qui sont apparemment très bien éduqués et qui ont un langage très châtié. Dans un deuxième temps, alors, faire un petit peu, je vais vous dire un petit peu pour ceux que ça intéresserait, il va y avoir beaucoup de choses, il va y avoir des annonces sur ce qui va se passer l'année prochaine, en gros, ce qu'on va changer. J'ai envie de changer pas mal de choses, histoire qu'on puisse avoir plus de choses, c'est-à-dire au niveau des news. Il y aura aussi de la recherche de personnes, on recherche des personnes pour ceux qui seraient intéressés. Je vais en dire plus aussi là-dessus, on va s'ouvrir un peu plus. Et après il y aura des projets, je peux pas en parler pour l'instant, mais qui devraient arriver. J'espère avoir une réponse d'ici janvier, donc vous serez mis au courant dès que ce sera officiel, si ça se fait. Donc on va tout d'abord commencer avec des remerciements. On va faire ça la suite de Brother in Arms, qui avait commencé Fally avec la petite découverte, le premier gameplay. Donc, déjà, je tiens à vous remercier tous, autant que vous êtes, à nous suivre, à partager nos vidéos, à les liker, à les commenter, à nous corriger sur ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut faire. Ça nous aide grandement, on veut être proche aussi, puis bon, voilà, on peut pas être parfait, on peut aussi dire des conneries, hein, comme par exemple Fally qui avait dit que c'était un FPS, Brother in Arms 3, mais alors que c'est un TPS. Donc d'ailleurs, on peut voir qu'on peut y jouer à la manette, à Brother in Arms, vous pouvez voir, hein, au cas où. Donc déjà, premièrement, voilà, je tiens à vous remercier parce que vous nous êtes très utiles. Et on espère aller encore plus loin grâce à vous. Alors, qu'est-ce qui va changer d'ici les prochains mois, prochaines semaines? Tout d'abord, on va faire des news. Alors, vous le savez, nous on fait déjà des news. Alors pour ceux qui vont sur notre site, on fait déjà des news. Je suis mauvais là. On fait déjà des news via notre site, donc androgames.fr. On en fait quelques-unes pour des choses un peu particulières via donc YouTube aussi. Donc avec Gameloft à l'E3, la Gamescom, des petites choses comme ça. Ce qui va changer, et c'est là où je vais vous demander de participer un petit peu à ça pour que ça soit utile, c'est qu'on va essayer de faire, parce qu'on a plein de news à faire, malheureusement on ne peut pas tous les faire, on n'est pas assez, on n'est que réellement deux actifs au final, ce qui fait pas beaucoup, donc ça on en parlera après justement. Donc justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, au lieu de faire que des grosses news qui arrivent toutes les 2-3 jours comme on le fait d'habitude, on aimerait faire des petites news tous les... Je vais y arriver. Des news en fait tous les jours, des petites news via Facebook. Donc en gros, ce serait des news de 3-4 lignes pour dire que tel jeu est sorti, c'est tel type de jeu et le lien, des choses comme ça. Donc pour cela, ce qui serait bien pour vous, ce serait de nous rejoindre sur Facebook. Je vais vous mettre le lien pour vous abonner à notre Facebook dans la description. Donc n'hésitez pas à vous y abonner, à partager, à nous faire connaître à commenter si jamais quelque chose vous plaît, même à liker, un simple like déjà, pour nous c'est quelque chose de sympa. On essaie aussi d'organiser des activités. Deuxième chose aussi que j'aimerais pouvoir faire, donc ça va s'ouvrir un petit peu, ça va être des tests écrits. Donc ça va être ouvert à plus de monde, donc ça sera en lien aussi avec la suite, c'est-à-dire le recrutement. Donc ça c'est quelque chose qui va changer, on va faire des tests. Alors je pense qu'on va essayer de s'ouvrir un maximum, donc des tests de jeux, d'accessoires, de maximum de choses avec des nouvelles personnes. Donc ce qui fait que le site sera un peu, je l'espère, un peu plus actif si on arrive à recruter des gens. Parce que bah, le souci en général, quand on recrute, c'est qu'en général les gens ils s'annoncent, ils veulent vraiment participer. Mais malheureusement en général... En général, ils restent pas ou ils servent pas, enfin ils nous aident pas. Donc ça, c'est un peu dommage. On va améliorer l'arme. C'est un petit peu dommage. J'espère que s'il y a des gens qui veulent bien, n'hésitez pas à nous contacter sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter aussi.
pour donc Dieu si vous êtes intéressé. Et voilà. Qu'est-ce qui va arriver d'autre? Il y a un projet qui, j'espère, aboutira avec un gros site. On vous en dira plus le plus vite possible. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Je l'espère que ça se fera. Ça nous fera... ça sera quelque chose supplémentaire qui s'ajoutera donc à Andro Games, à ce qu'on a essayé de faire, d'aller un peu plus loin. Donc vous le verrez d'ici peu, je l'espère. Donc voilà. Vous le savez aussi, donc il y a notre concours qui va bientôt se terminer. Je rappelle que elle est donc sur la page. Donc n'hésitez pas à y participer tant que vous pouvez encore voir la vidéo avant le 25 décembre. Ce sera encore actif à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va essayer justement aussi au niveau des concours. Alors comme vous le savez, on est partenaire avec Mobile Fun. On va essayer d'avoir de nouveaux partenariats, mais c'est quelque chose d'assez dur à avoir, surtout dans notre domaine. Donc on essaiera avec des jeux, on peut essayer de faire ça, mettre en place, surtout pour des petits jeux, etc. On va essayer de voir ça, puisque on voit que là les concours marchent plutôt bien. On va essayer justement de faire plaisir à un maximum de gens pour essayer de vous faire un maximum plaisir et d'essayer de bien vous le rendre, du fait que voilà, maintenant on arrive quand même à 1400 abonnés. On va espérer d'aller un peu plus loin. Voilà. Maintenant, au niveau du recrutement, bon, c'est bien, la vidéo dure pas très longtemps, c'est ce que je voulais. Au niveau du recrutement, alors comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on n'est pas beaucoup. Il y a Fali, il y a moi qui sommes très actifs, Driu ou Nicolas comme vous l'avez donc en rédacteur. Malheureusement, il est très occupé avec ses études et ses sorties, donc malheureusement actuellement il n'est pas très très disponible, ce qui fait qu'on a moins en moins de news. On en est désolé. Le truc, c'est qu'on aimerait bien recruter des gens là, sauf que la plupart des gens, ils ont tous des problèmes. Alors soit les vidéos, c'est pas forcément leur truc, soit ils veulent bien et puis au final quand ils viennent, malheureusement ils restent pas, ils ont rien fait. Donc ça, c'est un peu énervant à force, ce qui fait que le recrutement est assez dur. Donc petite chose que donc nous aimerions mettre en place, ce serait donc d'avoir des testeurs écrits donc sur des jeux, puisque comme je vous l'ai dit plus tôt, on va essayer de rassembler toutes les news, etc. C'est pour ça qu'on a besoin de vous sur Facebook. Alors, attendez, on va faire comme ça. Appuyez sur Start. On va avoir besoin de personnes, donc, comme j'ai dit. On fait ça le truc, voilà. Donc, besoin de testeurs, de newsers. Alors, pourquoi pas engager des newsers pour spécialement Facebook, ça nous intéresserait. Donc, ce serait des petits trucs tous les jours. Donc, ceux qui ont du temps devant eux, n'hésitez pas à... N'hésitez pas à nous contacter. Ça ne peut toujours nous servir. On a pas mal de petites news à faire partager. On n'a pas forcément... moi, je ne suis pas rédacteur. Et puis, il faut quelqu'un qui ait ce petit côté assez... un peu le côté Twitter, c'est-à-dire des news rapides, simples, concises, claires, un maximum de choses. Et qui soit motivé pour ça. Donc j'ai dit aussi, on recherche des testeurs écrits, donc des tests de tout type. Alors ça peut être des longs, ça peut être des courts. On va vraiment essayer d'élargir nos recherches pour avoir plus de tests possible, parce qu'il y a énormément de jeux et malheureusement on ne peut pas tous les couvrir. Et puis comme vous voyez actuellement, donc Fali est plus sur les news quand il peut, et puis moi de mon côté je suis plus sur le hardware, grâce à Belchine d'ailleurs, que je remercie d'être un partenaire plutôt fidèle qui nous aide beaucoup, qui nous fait tester pas mal de choses. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour les jeux, malheureusement ils sont un peu mis de côté, alors qu'il y en a des sympas à faire tester. On nous fait souvent des demandes de tests. Malheureusement, on n'a pas forcément le temps pour le faire. Donc, on serait ouvert à ça. Donc, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas, de tout type. Tout ce qu'on veut, c'est avoir une rédaction quand même propre, bien sûr. Si vous avez aussi, bien sûr, envie de faire de la vidéo, des vidéos news aussi, on est ouvert, on est très ouvert. J'ai vraiment envie d'ouvrir, justement, et de rassembler tout ça sur Facebook. Donc, là-bas, ce serait pour tout le rassemblement des news, ce serait Facebook et Twitter.
C'est pour ça que on peut plus s'ouvrir. J'ai envie d'avoir justement un maximum de choses que j'aimerais mettre en place pour 2015 pour avoir plus de choses à montrer. Donc n'hésitez pas à venir nous parler, nous demander des infos supplémentaires s'il le faut. Nous, on est surtout donc à parler entre nous. On est surtout sur Skype, mais on est en train de bouger, pardon, sur Facebook justement parce qu'avec Skype mobile, etc. Malheureusement, comme vous le savez, Skype sur Android, et ceux pour qui ne le savent pas, ça a des gros soucis de. Ça a des gros soucis de. Comme vous le savez, de. On va faire la campagne. Ah non, il faut faire le raid. Je vais arriver. Un gros souci de synchronisation, voilà, j'arrive enfin. Et le problème, c'est que, voilà, quand on veut parler à quelqu'un, on n'a pas forcément les messages à temps. Donc c'est un peu chiant. Donc on est en train de bouger sur Facebook, donc ça permettra aussi à plus de gens, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, ils auront Facebook et ils auront les infos en temps et en heure. Donc voilà, je pense avoir tout dit actuellement. N'hésitez pas à nous dire ça. Sinon, j'aimerais voilà encore vous remercier tous pour nous suivre. J'aimerais remercier particulièrement Belchine qui nous a fait parvenir pas mal de produits. Actuellement, on en teste encore des produits. Donc la manette NES, j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus. Je vais faire ça rapidement. Je pense qu'il y en a qui vont vouloir se mettre sur cette manette. Comme vous le savez, j'ai aussi la tablette, j'en ai une là, donc là je vais faire le test juste là, donc la P90 HD. Et j'aimerais que ça continue encore en 2015, bien sûr, ce serait top, justement pour avoir un maximum de choses à tester. Je suis devenu vraiment accro aux tests hardware et justement ça prend un peu forcément sur les tests de jeu, surtout qu'il y a quand même des choses à tester en ce moment. Donc voilà. Il devrait y avoir des Minix, etc. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette vidéo qui fait quand même un peu plus de 10 minutes maintenant. Donc voilà, j'aimerais vraiment merci à tous pour voilà, nous aider dans ça. J'ai vraiment envie de continuer là-dedans. J'ai envie de, voilà, de mettre plus de monde aussi, d'intégrer plus de monde, des gens motivés, j'aimerais bien, si possible. Si je peux avoir des gens motivés vraiment qui veulent faire avancer Andro Games le plus loin possible. Et bien sûr, ils pourront participer. Alors, si ça peut motiver certains par rapport au recrutement et qui ont regardé la vidéo jusque-là, sachez que ceux qui participeront à Andro Games pourront aussi avoir des produits, donc moyennement des tests, bien sûr, de chez Mobile Fun. Donc, vous pourrez les gagner ou les garder. Nous, on essaie de les faire gagner actuellement, puisque, voilà, si ça peut faire plaisir. Moi, j'ai juste gardé celui-là et puis j'ai fait gagner l'autre. Il y a d'autres choses qui vont arriver et qui vont être gagnées, bien sûr. Mais voilà, ceux qui seront chez Andro Games, on pourra leur faire tester des produits, surtout que Mobile Fun est de plus en plus généreux actuellement avec nous. Donc on espère que ça pourra motiver certains à participer. Donc comme je l'ai dit, que ce soit à l'écrit en vidéo, que ce soit des news ou des tests, on s'ouvre plus du moment que tout soit rassemblé sur Facebook. Et comme ça, c'est facile à mettre en place, il n'y aura pas de soucis. Donc Facebook et Twitter. Sur ce, je vous souhaite un bon Noël, aussi une bonne année 2015, nouvel an, tout ça. J'espère, ne vous gavez pas trop en conneries, n'allez pas à l'hôpital, tout ça, on ne sait jamais. Mais profitez-en, profitez bien de votre fin d'année et début janvier. Nous, on est donc toujours présents. On va essayer de faire un maximum de choses, même entre les deux fêtes. Donc moi, je vais sortir mes tests. Fally devrait sortir une autre vidéo entre Noël et le Nouvel An. Donc voilà, nous, on s'arrête pas là. On est juste malheureusement trop peu pour vraiment vouloir pouvoir mettre des choses en place. Et s'il y a des gens qui veulent bien nous rejoindre dans une ambiance plutôt cool. Du moment qu'on ne nous prend pas pour des cons, quoi, en gros. Voilà. On vous attend. N'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas
à même à proposer des choses. Si vous avez des petits projets que vous aimeriez mettre en place sur un site, proposez-les nous. Par exemple, des projets avec les jeux rétro gaming qui arrivent, les émulateurs, des dossiers sur les manettes, sur les, comme ce que j'avais fait, un dossier récapitulatif sur les grosses consoles qui sont sorties cette année. Des choses comme ça, nous, on est ouvert. On est ouvert à tout ça. Même ce que j'ai fait, par exemple, c'est-à-dire, par exemple, comme pour les Teclast, le côté puce, test de puce pur, pour montrer un peu les performances sur divers jeux, même des choses qui sont encore en circulation, j'ai envie de dire, qui sont encore en vente, comme des Snapdragon 600, etc. On est ouvert à tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous proposer tout ce que vous avez. Moi, j'aimerais vraiment faire avancer Andro Games, en tout cas. Et j'aimerais faire participer d'autres gens, parce que on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Moi aujourd'hui j'ai plus du tout de moyens, je peux plus investir dans des tablettes, des manettes comme je faisais il y a encore quelques mois, parce que j'avais un peu plus d'argent à ce moment-là et je n'ai plus. J'espère juste qu'il y aura des gens qui vont participer à tout ça, à ces changements, qui font partie d'un tout. J'aimerais vraiment montrer un peu plus de visibilité à se développer un peu, à être un peu plus ouvert, à faire participer plus de monde, parce que je trouve que c'est toujours sympa d'avoir une grosse équipe avec une bonne ambiance, se faire des petites conversations sympas. De toute façon, nous, on n'est pas que sur, bien sûr, le côté sérieux. On peut aussi déconner, dire des conneries, etc. Donc voilà. J'ai vraiment envie de faire quelque chose pour Andro Games, pour la chaîne, pour Mobiplay aussi, pour ceux qui veulent faire du gameplay, tout ça, donc n'hésitez pas. Et venez, on mord pas, on est là pour aider, du moment que vous avez quelques connaissances, que vous ne soyez pas mauvais en termes de rédaction, etc. Nous, on est ouvert à tout ça. Donc sur ce, je vous laisse enfin, après encore vous dire bon Noël et bon Nouvel An, tout ça, et à très bientôt. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions aussi, si vous avez besoin d'aide, si vous avez... Nous, on est là, on est disponible, on est prêt à répondre, etc. On a plein de choses à faire, qu'on n'a pas forcément le temps, etc. On est là, on est motivé, on est une petite équipe, mais on aimerait aller sur du... plus qu'une petite équipe, un petit YouTube, on veut voir plus gros. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes fêtes.